tu me tailles, partout j'ai pas honte. Je suis à la tête et non à la queue, un enfant de destinée. Je suis une étoile, partout je passe. Je brille. Amen. Je suis à la tête et non à la queue, un enfant de destinée. Est-ce que tu peux bouger? Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est sous le regard de Dieu. Mes projets réussiront. Dis à quelqu'un sous le regard de Dieu. Under the eyes of God. Non, touche ton voisin, dis sous le regard de Dieu. Under the eyes of God. Je ne parle pas de regard des hommes. I'm not seeing, parce que les hommes ont leur regard. People, men don't know le regard que les hommes projettent sur tes projets, c'est rien que de la jalousie et de l'échec. Mais je suis convaincu d'une seule chose. Quand Dieu porte son regard sur tes projets, quand Dieu porte ses regards sur ton projet, il apporte un résultat excellent. Je ne sais pas quel est le projet que tu as mûri pour cette année. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as organisé pour cette année. Mais je veux simplement dire à quelqu'un ce soir, si l'Éternel est dans ton projet, quel que soit l'ennemi qui se levera contre toi, je dis tes projets vont réussir. Je dis tes projets vont réussir. Qui me donne un amen bien. You say amen well. Je suis en train de voir ton projet en train de réussir. Qui dit un amen plus fort que son you voisin. Say amen. Je vois Dieu réaliser ton projet. I see God bring the au nom de. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sens une onction royale pour cette année? Do you feel the royal anointing? Tu parleras seulement de bonnes choses cette année. You talk about the anointing. Nous allons aller rapidement dans le livre de Esdras. We go to the book of Ezra. Ezra. Ezra, le chapitre 4. Nous allons lire deux chapitres de ce passage. Nous allons pour mieux comprendre. Je vais aller très vite. À partir du verset 1er, allons-y. Les ennemis de Judas et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité
apprit que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel. Et des chefs de famille. Et leur dit. Nous bâtirons avec vous. Car. Comme vous, nous invoquons votre Dieu. Et nous lui offrons des sacrifices. Depuis le temps des Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous. Et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls. Dis à ton voisin, nous la bâtirons nous seuls. À l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Comme nous l'a ordonné le roi Cyrus. Roi de Perse. Après les gens du pays découragèrent. Le peuple de Juda. Souligne ça dans ta Bible. Reprends encore. Après les gens du pays découragèrent le peuple de Juda, ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. De bâtir. Souligne décourager dans ta Bible et l'intimider. Et ils gagnaient à prix d'argent. Des conseillers pour faire échouer. Son entreprise. Il en fut ainsi. Pendant toute la vie de Cyrus. Roi de Perse. Et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Sous le règne d'Assyrus, au commencement de son règne, il écrivit une accusation contre les habitants. Alors rapidement au verset 12. Que le roi sache que les Juifs partis de chez toi et arrivés parmi nous à Jérusalem bâtissent la ville rebelle et méchante, en relève les murs et en restaure les fondements. Que le roi sache donc que si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés, ils ne paieront ni tribut, ni impôt, ni droit de passage, et que le trésor royal en souffrira. Comme nous mangeons le sel du palais. Et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi, nous envoyons au roi ces informations. Qu'on fasse des recherches dans le livre des mémoires de tes pères. Et tu trouveras et verras dans le livre des mémoires que cette ville est une ville rebelle, funeste au roi et aux provinces, et qu'on s'y est livré à la révolte dès les temps anciens. C'est pourquoi cette ville a été détruite. Nous faisons savoir au roi que si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés, par cela même tu n'auras plus de possession de ce côté du fleuve. Réponse envoyée par le roi Araoum, gouverneur Akikaï, secrétaire au reste de leurs collègues, demeurant à Samarie et autres lieux de l'autre côté du fleuve. Salut, etc. La lettre que vous nous avez envoyée a été lue exactement devant moi. J'ai donné ordre de faire des recherches. Et l'on a trouvé. Que dès les temps anciens. Cette ville s'est soulevée contre les rois. Et qu'on s'y est livré à la sédition. Et à la révolte. Il y eut à Jérusalem des rois puissants, maîtres de tout le pays de l'autre côté du fleuve. Allons rapidement au verset 21. En conséquence, ordonnez de faire cesser les travaux de Dis à quelqu'un, ordonnez de faire cesser les travaux. Afin que cette ville ne se rebâtisse point avant une autorisation de ma part. Gardez-vous de mettre en cela de la négligence, de peur que le mal n'augmente au préjudice des rois. Aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant Rehum, Kimkaï, le secrétaire et leurs collègues,
Ils allaient en hâte à Jérusalem vers les Juifs et firent cesser leurs travaux par violence et par force. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem. Et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius. Allons au chapitre 5. Roi de Perse. Agé, le prophète. Agé, le prophète. Et Zacharie, fils d'Ido. Et Zacharie, fils d'Ido. Le prophète. Le prophète. Prophétisait aux prophétisait Juifs. Aux Juifs. Qui étaient en Juda et à Jérusalem. Qui étaient en Juda et à Jérusalem. Au nom du Dieu d'Israël. Au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel. Alors Zorobabel. Fils de Kelthiel. Et Josué. Fils de Jotsadak se levait et commençait à bâtir la maison de Dieu. Se levait et commençait à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. À Jérusalem. Et avec eux étaient des prophètes de Dieu qui les assistaient. Dans ce même temps, Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Sheta, Boznaï et leurs collègues vinrent auprès d'eux et leur parlaient ainsi. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ses murs. Ils leur dirent encore quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice. Mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs. Et on laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius. Amen. Jusqu'à la réception. Amen. Voici une histoire que la Bible nous révèle. Écoutez, lorsque vous lisez bien cette histoire, vous allez comprendre que Israël, arrivé à un certain moment où soit Jérusalem, était assiégé par le royaume de Babylone. Au temps de Nebuchadnezzar. Et la Bible déclare que ce peuple a été martyrisé. Ce peuple a été sous l'influence de Nebuchadnezzar qui ne craignait pas Dieu. Il les avait vraiment traités. Il les avait vraiment mis dans une douleur atroce. He put them into pain. Et la Bible déclare qu'en tel ancien que le temps du Seigneur the time of the a Lord été bafoué. So ce qu'ils avaient construit de leurs mains pour adorer Dieu a été bafoué par le roi Nebuchadnezzar. Mais la Bible nous dit qu'il y a une personne qu'on appelait Daniel. Daniel et ses amis ne se prosternaient pas devant Nebuchadnezzar ou même devant la statue que Nebuchadnezzar avait faite. Ils avaient désobéi à l'ordre établi par le roi. Et vous allez comprendre avec moi quand vous arrivez dans le livre d'Estra, la Bible dit les ennemis de Juda et de Benjamin vont se lever contre Zorobabel. Ils avaient un projet. Ils avaient un but. C'était de rebâtir la maison de l'Éternel. Mais ces deux personnes associées vont se joindre. Ils vont décider de bâtir parce qu'ils ont pris l'initiative de relever le défi. Mais la Bible déclare que les ennemis de Juda et de Benjamin qui vont s'approcher d'eux. Ils vont lui dire, nous voulons aussi bâtir. Nous voulons aussi participer. Mais l'erreur, c'est qu'ils étaient leurs ennemis. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, lorsque tu prends l'initiative de travailler, lorsque tu prends l'initiative de faire un procès, il y a des ennemis qui se lèvent contre toi. Il y a des gens qui vont se dresser contre toi pour empêcher ton projet de réussir. Je veux dire à quelqu'un ce soir, un projet, when you have a project, qui doit réussir, then you have to succeed. Un projet, a project qui doit connaître une ascension, want to go forward, est obligé d'être attaqué. I have to be attacked. Je veux dire à quelqu'un ce soir, I want to tell you, si tes ennemis sont nombreux que toi, if your enemy c'est plenty, que quelque part, you mean somewhere, tu as quelque chose de plus grand que eux, you ils n'ont pas. Greater than le diable ne se dresse pas contre tout le monde. The devil doesn't come against Satan attaque ceux qui ont une destinée. He attacked those c'est parce que tu as une destinée que le diable te lève. Écoute-moi très bien. Tout le monde n'est pas obligé de t'accepter. Tout le monde n'est pas obligé de t'aimer.
Mais c'est lorsque les gens ne t'aiment pas, lorsque les gens te rejettent, c'est là que Dieu porte son regard sur toi. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, l'œil de Dieu se portera sur toi. Parce que tu as le choix de Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose. Écoute-moi très bien. Les gens peuvent te jalouser. Pourquoi? Parce que tu as un trésor caché en toi. Tu as un projet en toi. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir, ce sont tes ennemis qui te donnent le courage dans la persécution pour pouvoir avancer. Si quelqu'un te pousse, si quelqu'un te tape dans le dos, c'est pour te permettre de pouvoir avancer. Je prophétise ce soir, tes ennemis t'ont tapé dans le dos. Tes ennemis se sont dressés contre toi. Mais je veux simplement te dire que leur action est en train d'ouvrir un chemin pour toi. Leur action est en train d'ouvrir un chemin pour toi. Qui me donne un amen et bien. Et j'aggrave les choses. La Bible déclare. Ils ont pris une initiative de bâtir. Ils se sont levés. And they stood. Ils se sont dit que trop c'est trop. Enough is enough. Ils étaient en captivité. They were in captivity. Ils étaient dans la douleur. They were in pain. Mais ils se sont levés. And they stood. Nous devons bâtir. We have to build. Je veux dire à quelqu'un ce soir, I want to tell you today, la seule chose qui te permet de réussir, c'est lorsque tu prends l'initiative de commencer quelque chose. Tant que tu ne commences pas, if you don't start, tu ne peux pas réaliser des choses. You cannot realize things. Commence à réaliser en toi. Begin to realize. Tu as la capacité de mettre un projet sur pied. Même si tu n'as pas l'argent, même si les portes sont fermées autour de toi, mais le seul fait que tu as nourri le projet dans ta pensée, l'Éternel te donnera les moyens. Parce que si tu n'as pas nourri cela dans ton esprit, tu ne peux pas avoir les moyens. Celui qui veut réussir dans sa vie ne cherche pas d'abord à chercher de l'argent, ne cherche pas d'abord à penser à ça. Don't think about mais money. Il commence à penser projet. Project quand first. Tu penses projet, l'argent est obligé d'arriver vers toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Do you understand what I'm saying? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Do you understand what I'm saying? Lorsque tu commences à réaliser des choses, when you begin to realize tu as des oppositions. There are opposition. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir, I want to tell you today, c'est les oppositions qui te donnent une position. Si tu n'as pas d'opposition, tu ne peux pas avoir if de position. Je prophétise ce soir que toutes les oppositions que tu as eues dans ta vie te donnera une position supérieure. Tu seras au-dessus de tes ennemis. Je prophétise ce soir. Cela arrivera à exécution. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Mes projets réussiront. My project will succeed. Ils se sont levés. They stood. Ils ont décidé d'étudier les dossiers. They decided to study the file. Lorsque tes ennemis veulent t'attaquer, when your enemy want to attack you, ils commencent à fouiller dans ta vie. They began to seek in your chercher life. Chercher à savoir qui tu es. Know where, who are you? Où tu habites? Where do you live? Qu'est-ce que tu manges? What are you eating? Ils commencent à s'intéresser à toi. They began to interest themselves. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir, I want to tell you, l'erreur qu'ils sont en train de chercher, the mistakes, ils ne trouveront pas l'erreur chez toi. They are looking for, they will not find it. Ils ne trouveront pas cette erreur. Laisse-moi te dire quelque chose. Let me tell you something. Personne ne pourra s'intéresser à toi. Nobody can interest lorsque tu you. N'auras rien. When you have nothing. Mais c'est lorsque tu as quelque chose when que les gens commencent à s'intéresser you à toi. To est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? What I'm c'est saying. Parce que tu es une princesse de l'Éternel que les gens s'intéressent à toi. C'est parce que tu es you. Un homme puissant que les hommes s'intéressent à toi. Écoute-moi très bien. L'homme n'a pas peur de son passé. Parce qu'il a déjà vécu son passé. L'homme n'a pas peur de son présent. Parce qu'il a déjà vécu son présent. Mais l'homme a peur d'une seule chose.
Il a peur de son avenir parce qu'il ne maîtrise pas son avenir. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir, ton avenir est rassuré parce que ce que Dieu a décidé de faire avec toi, il a déjà écrit ces choses. Il a déjà arrêté ces choses. Lorsque Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Lorsque Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Lorsque les sorciers de ta famille disent non, Jésus vient pour dire oui. Le oui de Dieu changera le langage de tes ennemis. Je vois Dieu dire oui à ta solution. Je vois Dieu dire oui à ton élévation. Celui qui me donne un amen est bien. Je vois ces choses arriver. Au nom de Jésus. Un projet qui réussit. A project which succeeds. Un projet qui va de l'avant. A project which go forward. C'est lorsque Dieu lui-même est le concepteur de ton projet. When is God himself is the conceptor? Tu ne peux pas commencer une action sans mettre Dieu au devant. You cannot start an action without putting God forward. Ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. They didn't know that to whom they are dealing. Les ennemis de Judas. The enemy of Judah. Et les ennemis de Benjamin. And the enemy of Benjamin. Ils ne savent pas que ce n'est pas tout le monde en attaque. They don't know that it's not everybody. Écoute-moi très bien. Listen to me. Je vais te rassurer d'une seule chose. I want to assure you one thing. Je vais te rassurer d'une seule chose. I want to assure you one thing. Tu sais pourquoi tu es encore en vie? You don't know why you tu sais are alive. Pourquoi tu réussis encore? You don't know why c'est you parce que Dieu n'a pas encore fini ce qu'il a commencé pour toi. God have not yet finished. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, I want to tell you today, on peut se moquer des personnes qui sont mortes, they can laugh at mais on ne se moque pas de celui qui est encore en vie, parce que tu ne sais pas ce que Dieu a réservé pour lui. Laisse-moi te dire quelque chose. Les gens peuvent se limiter à ce qu'ils sont en train de voir can limit you parce qu'ils ont vu le commencement, mais la fin de ton la fin de ils n'ont pas encore vu la fin, la fin de ton élévation. The end of your la fin de ta prospérité. The end of your prosperity. Dieu a caché ces choses-là. Those, je veux dire à quelqu'un ce soir, I want to tell you, j'ai un projet. I have a project. J'ai quelque chose dans mon esprit. I have something in my spirit. J'ai un rêve dans mon esprit. I have a dream in my j'ai spirit. Quelque chose que Dieu doit réaliser. I have something that le God projet to realize. Que j'ai cette année. The project I have this le year. Projet que j'ai cette année. The project I have this c'est year. De voir une église bénie et prospère. I see a church blessed and prosperous. Quelqu'un ne m'entend pas ce soir. You don't hear me. You don't hear quelqu'un me. Ne m'entend pas ce soir. You don't hear me. Quelqu'un ne m'entend pas ce soir. You don't hear me. J'ai dit le projet que j'ai dans mon esprit. The project I have my spirit. Le projet que j'ai nourri dans mon esprit. The project I have my spirit. J'ai dit à Dieu I said to God, que cette année, this year, je ne sais pas ce qui va se produire. I don't know what to come. Mais dans le courant de cette année, on this year, je veux marcher avec les hommes les plus riches I want to walk with de cette rich terre. People. Écoute-moi très bien ce listen soir. To me. Écoute-moi. Listen to me. Ils avaient des ennemis. They were having enemies. Qui se sont dressés contre eux. Who stood against them. Parce qu'ils voulaient bâtir. Because they wanted la maison de l'Éternel. The house of the Lord. Lorsque tu veux réaliser quelque chose pour Dieu, when you want to realize tes ennemis se dressent contre toi. The enemy will come mais laisse-moi te dire quelque chose. Ce n'est pas pour un homme que tu le fais. Ce n'est pas pour un homme que tu le fais. Mais tu le fais pour Dieu. Lorsque Dieu est inscrit dans ton projet, quelle que soit la tempête, quel que soit le vent qui va se lever, quel que soit le sorcier qui se lèvera, l'Éternel se le verra aussi pour mettre des ennemis en déroute. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, la Bible déclare, ils viendront par plusieurs chemins. Ils viendront par ils viendront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par sept chemins. La Bible nous enseigne que tout homme forgé contre moi sera sans effet. Sera sans effet. Tout homme forgé contre moi. J'ai un Dieu avec moi. I have God with me. J'ai celui qui a créé le ciel et la terre. The one who created heaven and earth. Il voulait bâtir. They wanted to build.
Ils avaient ce zèle de bâtir. They have the zeal to build. Regardez avec moi. Look at me with me. Ce ministère est en train de bâtir. The ministry, la MFV est en train de se construire. MFV is built. Mais comprenez avec moi. But lorsque Dieu te lève, when God elevates you, il y a tes ennemis aussi qui se lèvent contre toi. Enemy come against you. Mais je vais dire à quelqu'un ce soir. But I want to tell you today. Par rapport à la taille de tes problèmes. It doesn't matter the, when par rapport à la taille de ton ennemi. The size of your enemy. Cela correspond à la taille de ton élévation. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? That correspond to the size. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Do you understand what I'm saying? Yes. La taille de tes épreuves. The size of your trial. Correspond à la taille de ton élévation. Correspond to the size. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Can you understand what I'm saying? Je ne sais pas qui s'est levé contre toi. I don't know who came against you. Mais tu adores celui qui ne sommeille ni ne dort. But you are worshiping the one who doesn't sleep. And a slumber. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. C'est lorsque ton projet est bâti sur les hommes. When your project is built on men. Que tu commences à pleurer. And you begin to cry. C'est lorsque tu as basé ta confiance sur les hommes. When you put on your trust on men. Que tu commences à te lamenter. And you begin to worry. Lorsqu'on ne te donne plus l'argent. When they don't give you money anymore. Tu ne fais que pleurer. And you begin to cry. Je veux dire à quelqu'un ce soir. I want to tell you today. L'homme ne détient pas l'or et l'argent. Man doesn't have money. Mais l'or et l'argent appartient au Créateur. Man, God and appartient au Créateur. The creator. Ils peuvent te fermer les portes. They can close door to ils peuvent te fermer les portes. They can close the door. Ils peuvent tout compliquer autour de they toi. They can make everything hard. Je veux dire à quelqu'un ce soir. But I want to tell you today. La Bible dit il ouvre une porte. He open the door. Là où tout semble fermé. Where everything seems to be closed. Fermé. When everything seems to be closed. Une porte. Then the Lord opened the door. C'est qu'ils ont fermé une porte. Then they close the door. Il ouvrira cette porte. He open the southern door for you. Ce soir, today, malgré l'ampleur de tes problèmes, your projet va réussir. Your project will succeed. J'ai dit ton projet va réussir. Your project will succeed. Au nom de Jesus Christ. C'est lorsque je me sens faible. When you are weak. Que je deviens fort. Then you become strong. C'est lorsque je me sens faible. When you are weak. Que je deviens plus fort. Then you become strong. Je veux dire merci à mes ennemis. I want to thank my enemies. Parce qu'ils m'ont révélé la force qui était cachée en moi. And because they revealed the strength in me. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train you de dire? You understand what I'm saying? La Bible dit ils ont même écrit une lettre au roi. The Bible says they wrote even a ils ont letter. Adressé un courrier au roi. They wrote a letter. Ils les ont même traduits en justice. They sent them to court. Que ce peuple est rebelle. Those people are rebels. Écoute-moi bien. Listen to me. Même si les gens te traitent de rebelle. Even people think you are rebel. Dieu a un autre langage te concernant. God has another language est-ce for que you. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? You understand what I'm saying? Même si les gens te traitent d'hypocrite. Even people tell you you are Dieu connaît l'état de ton cœur. God knows the state of your Dieu heart. Dieu connaît les efforts que tu as fournis pour lui. God knows your ce effort. N'est pas ce que les gens diront sur toi. You know what people will say. Il va arrêter le processus de la bénédiction de Dieu. The blessing of the Lord. Les gens peuvent parler. Men can talk. Mais quand Dieu parle, when God speaks, toute la création fait silence. All the creation je suis silence. En train de voir Dieu parler. I'm seeing God l'Éternel speaking. Parlera. The Lord will speak. Et personne d'autre aura la capacité and de parler. Have the ability to talk. Lorsque les hommes parlent, when men speak, Dieu ne parle pas. God doesn't talk. Mais lorsque Dieu parle, when God talk, personne d'autre ne peut encore nobody parler. Can talk again. Parce qu'ils ont parlé, because they have spoken, Dieu parlera. God will speak. Mais ce qu'ils avaient préparé pour toi, what make David pouvait le dire. David could have said, la force qu'ils ont creusée pour moi. Eux-mêmes ils tomberont dans they cette force. Will fall inside. Eux-mêmes ils tomberont they dans cette fall force. Inside. La force qu'ils ont creusée pour toi. Ils ont pensé t'enterrer. Ils ne pourront pas t'enterrer. You will not be buried. Dieu n'a pas encore fini avec you toi. Not be buried. You will not be il buried. N'a pas fini de traiter avec toi. The Lord il n'a pas encore fini ce qu'il a commencé the Lord pour Lord toi. Just finished with celui qui se tient debout qui dit un amen you de bien. Amen, you receive it. Je vois Dieu commencer. You say amen, you receive it. Je vois you Dieu say commencer. Amen, you receive it. Au nom de Jesus Christ of Nazareth.
Ce qui m'a marqué dans ce passage. What shocked me in this message? La Bible déclare. The Bible declare que le roi, the king, a signé l'édit. Il a arrêté quelque chose. He signed the decree. Il dit on doit les empêcher de construire. We have to stop them to build. Et la Bible déclare que les projets, the project, la construction s'est arrêtée. The building stopped. Dis amen parce que je veux annoncer quelque chose. I want to arrange some things. Dis amen parce que je veux annoncer quelque chose. I want to announce some things. Pendant qu'ils ont arrêté les travaux. When they stopped the works. Pendant qu'ils étaient à la fin. When they at the end. Pendant qu'ils empêchaient le peuple d'Israël à arrêter. When they la Bible dit dans le livre d'Exode, le chapitre 5, the Bible says in the book of Exodus, Dieu va susciter des prophètes, God will bring a prophet, pour annoncer des oracles. To announce oracles. Les hommes t'ont dit que tu ne peux plus avancer. The people say you cannot go forward. Tu t'es arrêté. Now you are stopped. Mais il y a des prophètes que Dieu a sélectionnés. A prophet God has selected. De par la bouche, through the mouth, l'Éternel annoncera quelque chose de nouveau dans ta vie. The Lord will announce something to you. Je veux dire à quelqu'un ce soir, I want to tell you, lorsqu'une chose s'arrête, when, c'est pour donner l'opportunité à une nouvelle chose d'arriver. When something stops, est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Lorsque quelque chose s'arrête dans ta vie, when something stops, c'est pour life, donner l'opportunité à une nouvelle chose de commencer. To give an opportunity. La Bible déclare que les prophètes se sont levés. The prophets stood. Ils ont commencé à prophétiser. And they began to prophesy. Et automatiquement, les travaux ont continué. And automatically, je veux dire à quelqu'un ce soir, I want to tell tu es dans un ministère prophétique. You are the prophetic ministry. Peut-être que tu as tourné en rond. Maybe you have turned around. Tu as tout essayé. You have tried a lot. Et cela n'a pas abouti. But I couldn't go. Oh, je veux dire à quelqu'un ce soir, I want to tell you today, je te souhaite la bienvenue. I welcome you dans l'église de l'accomplissement. In the church of lorsque Dieu annonce les choses dans la bouche de ses serviteurs, les where prophètes, the Lord annonce cela tourne à son accomplissement. To come to pass. Là où tu t'es arrêté, where you stop, tu ne t'arrêteras plus jamais. You not stop anymore. Là où tu t'étais bloqué, where you stop, tu ne te bloqueras plus jamais. You not stop anymore. La Bible déclare, the Bible declare, confiez-vous à ses prophètes. Trust in the prophet, et vous réussirez. And you succeed. Dieu peut t'affermir. God. Mais celui qui a la capacité de te faire réussir, c'est le prophète que Dieu a établi sur ta vie. Je te condamne à la réussite ce soir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai l'honneur, le privilège de vous annoncer quelque chose. Je prophétise sur ton année 2016. Je prophétise sur ton année 2016. Les jaloux qui t'avaient arrêté, ils ne pourront plus t'arrêter. Les sorciers qui t'avaient arrêté dans ton élan, ils ne pourront plus t'arrêter. Parce que Dieu a pris la décision de se lever pour agir en ta faveur. Que celui qui se tient debout, qui donne la main de bien, je vois Dieu te restaurer. Je vois Dieu te restaurer. Au nom de Jésus. Merci. Thank you. Thank you.